Vous avez remarqué que le langage n'est pas du tout un langage quotidien. C'est... Je n'aime pas beaucoup le langage quotidien. Vous savez, tu veux du sel? Passe-moi le sel, etc. C'est, comme il y a dans beaucoup de films. Et puis, surtout, les personnages articulent leur réplique. Ils parlent, on comprend ce qu'ils disent. Or, je n'aime pas une certaine façon de jouer où on ne comprend rien à ce qu'ils disent. Pour faire vrai, les acteurs parlent très vite, on ne comprend rien. Alors, moi, ça m'emmerde. J'aime bien entendre ce que disent les comédiens. Évidemment, ce sont des films faits par des gens qui aiment les livres. Bon, c'est bien pour ça que... Et François, bon, je ne vais pas vous passer par Annette 451, qui est un film entièrement fait sur les livres et sur l'amour des livres. Ah oui, ça c'est le nom. C'est quoi, c'est Adèle? C'est Adèle? Alors si vous voulez voir quelques scènes d'Adèle H, ça vous emmerde. Non, mais dites-le, parce que c'est... Il y a des scènes d'Adèle H, il y en a une dont je suis particulièrement content, parce que ça, elle est pompée dans un... Elle est pompée, franchement, parce que, vous savez, il y a des types comme Truffaut, qui était à la fois producteur et réalisateur, il recevait énormément de bouquins de jeunes écrivains qui ont envie de bouquins, parce que beaucoup de gens écrivent des bouquins en espérant que ça fera des films. Parce qu'il y a comme ça que ça peut leur apporter un peu de pognon. Alors donc, parce que les éditeurs peuvent vous payer richement, mais quand même le cinéma, ça peut rapporter plus. Bon, parce qu'on touche des droits, etc. Bon, alors, il a reçu un livre d'une fille, je ne sais pas qui c'était. Il m'a donné ce bouquin à lire au moment où je travaillais sur l'histoire d'Adèle H. Et l'histoire d'Adèle H, comme on avait peu de documents, on était obligé d'inventer des tas de... On ne savait pas très bien comment se passait sa vie à Halifax, quand elle était à la poursuite de ce type dont elle était amoureuse. Non, amoureuse. Bon, alors, il m'a dit, tiens, ça pourra faire des dialogues. Il y a des trucs, il y a des dialogues qui sont pas mal. Et effectivement, j'ai pompé deux scènes de dialogue que tout le monde a pu. La malheureuse fille n'en a jamais rien su, je ne sais même pas qui c'est. On a transformé complètement le machin, mais enfin quand même. Alors je voudrais vous montrer une de ces très belles scènes, comme ça, qui est de moi.